Bonjour Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Psaume 119, verset 9, c'est dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Ok? Voici l'autre. Ça, ici. Donne-moi une seconde. Ok, Jean 15, verset, je pense, verset 3 ou 4, c'est dit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, quand on écoute la parole, quand on entend la parole de Dieu, on devient pur. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole s'est fait chair. La parole, c'est Christ. Donc, ce ne sont pas les voiles qui vont nous rendre purs. Ce n'est pas le fait d'être voilé. Ce n'est pas écrit quelque part ici qu'on est voilé, là, on devient pur. Ok? Pour devenir, pour être pur, là, c'est la parole de Dieu qui nous rend pur. Vous avez compris? Les menteurs, là. Lorsqu'on fait des vidéos, ils viennent là. Oui, et où est ton foulard? Pourquoi tu ne te voiles pas? Ça, c'est pour eux. Pour devenir pur, là, ce ne sont pas les voiles. Et je vais vous étonner en vous disant, lorsqu'on te. Ok, attendez, je vais parler. Lorsqu'on donne trop de valeur, ok, lorsqu'on donne trop de valeur, on donne l'importance au voile. Voici, lorsqu'on donne trop de valeur, on donne trop d'importance au voile. Voici ma réponse. Ma réponse est que lorsqu'on met une voilée, une personne voilée de la tête jusqu'aux pieds, et on met une prostituée repentie. Je vais choisir la prostituée repentie. Je vais laisser la voilée là. Parce que la prostituée repentie là, elle n'a rien caché. Tout est là. Et puis elle s'est repentie. Mais la voilée là, on ne sait pas. Elle ne s'est pas encore repentie. Donc, il y a des choses là, quand vous allez découvrir, vous allez ouvrir votre bouche comme ça, vous dire, hein? Je préfère choisir la prostituée repentie que la voilée. Si on dit, fais ton choix, la prostituée voilée, la prostituée ou la voilée, je vais choisir la prostituée qui s'est repentie. Pas une prostituée qui ne s'est pas repentie, ok? Une prostituée repentie. Donc, ce qui nous rend purs, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'on se voile. Ça n'a rien à voir. OK? Jésus a tout payé. Jésus s'est sacrifié sur la croix. Ce que Christ a fait pour l'humanité est immense. Vous n'allez pas venir et faire oublier cela. Par les voiles. Ce que Christ a fait pour l'humanité, c'est très immense. C'est grand. Quelqu'un qu'ils ont, comment on appelle, qui s'est sacrifié pour nous, ils ont mis les pointes, ils l'ont abattu, ils l'ont frappé. Tous ces sacrifices-là, on oublie ça et on parle seulement de voile. Est-ce que tu t'es voilé? Non. Jésus-Christ a tout payé pour nous. Lorsqu'on accepte comme nos Seigneurs et Sauveurs, on devient pur. Oui. Quand on demeure dans sa parole, quand on écoute sa parole, on met sa parole en pratique, c'est là qu'on devient pur. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole, à cause de Christ. C'est Christ la parole. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Et je termine avec la première parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Ça, c'est la vérité qu'elle a. C'est la vérité qu'elle a là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas votre mensonge de voix que vous mettez là pour tromper l'humanité, pour oublier le sacrifice de Jésus qui a tout payé pour nous là.